Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, eh bien, on s'intéresse à l'épaule, vous allez le voir plus précisément, au tennis, avec une découverte fondamentale, on peut même le dire, une découverte unique au monde que nous présente le docteur Alexandre Lederman. Effectivement, lors d'activités sportives telles que le tennis, les différentes structures de l'épaule, notamment les tendons, les ligaments et le labrum sont mises à rude contribution. On retrouve en fait une haute prévalence de lésions chez ces sportifs et la cause jusqu'à présent n'était pas vraiment connue. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été étayées. La première, c'était que des os rentraient en conflit les uns avec les autres. Donc, si on prend ici un omoplate et un humérus, lors du service, lors de mouvements en fait d'abduction, rotation externe forcée, eh bien, on voit qu'il peut y avoir un conflit entre les deux os. Et au niveau de ce conflit, entre les deux os, on a un labrum et un tendon qui peuvent être pincés. Et ce pincement d'une manière répétitive peut conduire à des lésions de ces deux structures. D'autres hypothèses ont été émises, notamment tous les mouvements d'hyperabduction, c'est-à-dire lorsque le bras va au-delà du plan de l'omoplate. Ceci peut également conduire à des conflits. Et puis finalement, il y a des hypothèses qui ont été faites en ce qui concerne les ligaments. Certains chirurgiens se sont dit qu'une insuffisance ligamentaire pouvant conduire à des phénomènes d'instabilité lorsque la tête de l'humérus lors du service peut partir en avant, et bien que ces phénomènes d'instabilité pouvaient conduire à des lésions. Et la dernière hypothèse qui a été faite, c'est que en fait, le service conduisait à des rétractions ligamentaires, cette fois, par opposition aux distensions ligamentaires. Et cette rétraction ligamentaire peut conduire à une augmentation des forces de cisaillement au sein du tendon et à des lésions. Comment est-ce que vous vous êtes vous-même intéressé finalement à ce type de pathologie? Mais en fait, c'est un peu le fruit du hasard. Lorsque j'ai étudié la chirurgie de l'épaule, je me suis rendu aussi bien en France et aux États-Unis chez tous ces grands maîtres qui avaient créé cette myriade d'hypothèses. Et ça a été extrêmement déroutant pour moi de voir que chacun pensait quelque chose d'autre. Et donc, quand je suis revenu ici, avec le docteur Franck Collot, radiologue à Genève, Cécilia Charbonnier et Sylvain Chaguet, qui travaillent à Artanim, nous avons essayé de développer une technique pour modéliser l'épaule. Ceci n'avait jamais été réalisé par le passé. Certains chirurgiens avaient essayé de comprendre ce qui se passait dans l'épaule in vivo. Alors, vous avez ici un exemple d'un chirurgien qui a mis une caméra dans une articulation et qui essaye de répéter ces conflits chez un patient pour voir quelles étaient les structures qui potentiellement pouvaient être lésées. D'autres techniques ont été développées, notamment la mise en place de pins, de broches à travers l'os, et on réussissait à analyser grâce à ce type de technique les mouvements des os les uns par rapport aux autres. Mais ceci d'une manière relativement statique, puisque lorsque l'on effectue un lancer, les vitesses de rotation du bras sont extrêmement élevées, jusqu'à 6000 degrés par seconde. Et avec ce type de technique, eh bien, vous imaginez bien que les vitesses sont nettement moins importantes. Donc on arrivait mal à comprendre ce qui se passait vraiment dans une épaule. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait passer des IRM à des patients sportifs, tennisman pour la plupart professionnels. Et ceci nous a permis de reconstruire en fait l'os en trois dimensions. À partir de ces IRM, les gens ont été équipés de capteurs sur la peau et mis dans des salles où ils ont bénéficié d'une technologie de type avatar, ce qui nous a permis d'analyser leurs mouvements osseux les uns par rapport aux autres d'une manière dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive déjà à mettre en pratique finalement toutes ces recherches? Complètement. C'est-à-dire que en fonction des hypothèses
que les gens avaient émis, eh bien, ils ont élaboré des traitements, même si ces dernières se sont aujourd'hui avérées fausses. En fonction des écoles, les gens qui avaient une même pathologie bénéficiaient de traitements complètement différents. Maintenant qu'on sait exactement quel est le problème, on peut proposer aux patients des techniques qui sont adaptées à leur pathologie. Alexandre Lederman, on a vraiment l'impression qu'on découvre encore aujourd'hui finalement l'épaule hein, qui est complexe. Est-ce qu'on est à bout touchant? On a envie de dire, est-ce qu'on est au sommet ou des recherches sont encore en cours? Non, les recherches commencent. Comme vous l'avez dit, l'épaule elle est extrêmement complexe et on commence seulement maintenant à tirer profit de ce genre de nouvelles technologies. Actuellement, il y a d'innombrables recherches qui sont en cours, notamment grâce à ce genre de technologies. Il y a également un travail sur le terrain, c'est-à-dire qu'à partir de ce genre de recherche, eh bien, plusieurs volets s'ouvrent. Il y a un premier volet qui est celui de la prévention, où on doit aller sur le terrain et les gens qui commencent à avoir des douleurs se débrouiller pour qu'ils changent leur technique, notamment leur technique de service, avec des services qui ne doivent plus être faits extrêmement en abduction, rotation externe, mais des services dits plus compacts, où l'on va moins chercher derrière. Et puis, il y a également toute une planification préopératoire qui va pouvoir être mieux faite grâce à ce genre de technologie. Maintenant que l'on sait exactement où sont les conflits, finalement, on va pouvoir effectuer des opérations beaucoup plus ciblées, plus dirigées et plus précises qu'auparavant. Voilà, merci en tout cas au docteur Lederman pour ses explications qui concernent, vous l'aurez compris bien évidemment, l'épaule. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.